Claire abandonne le siège passager pour installer le jeune couple, ce qui a rendu la situation déjà délicate encore plus délicate pour les deux jeunes gens. Ils passaient devant un vignoble au même moment. Claire a proposé de détendre l'atmosphère. Claire a proposé de goûter le vin avant qu'ils ne reprennent leur route. Mais après quelques pas, elle a soudain demandé à Jacques de s'arrêter. Elle aperçoit un homme qui ressemble beaucoup à Lorenzo. Sophie s'est approchée de lui et lui a demandé. Lorenzo était bien là. Il leur dit que son père était parti faire de l'équitation. Mais l'idée de rencontrer Lorenzo retint Claire. Car après toutes ces années, elle n'ose toujours pas l'affronter. C'est alors que Lorenzo revient. Lorenzo reconnaît Claire comme la jeune fille qu'elle était autrefois. Ils se sont embrassés sans un mot. L'amour qui a traversé un demi-siècle s'achève parfaitement. Sophie a terminé sa mission et dit au revoir à Jacques. Jacques est triste de la voir partir. Claire lui dit de se dépêcher et de rattraper le temps perdu. Ne soyez pas comme elle et n'attendez pas.